Après 2 années de baisse, les actes antisémites sont en très forte hausse en France, plus 69% sur les 9 premiers mois de 2018, avec des dérapages antisémites et violents de certains gilets jaunes qui ont jeté le trouble ces dernières semaines. L'antisémitisme n'est jamais une haine isolée, explique l'une des 3 femmes rabbins en France, Delphine Horviller, qui est ce soir notre invitée. Bonsoir Delphine Horviller. Bonsoir Delphine. On parlait de haine il y a quelques minutes seulement, des injures, des quenelles, des graffitis, des slogans. La haine antisémite est l'une des composantes de la haine tout court, qui ne se confond pas avec le mouvement des Gilets jaunes, qui ne le résume pas, mais cette haine-là contre Macron, contre les journalistes, contre les banques, contre les élites, se répand depuis des semaines sur des ronds-points, dans des cortèges, sur les murs. Est-ce que, à vos yeux, c'est un phénomène? Est-ce que c'est significatif? Ou bien est-ce que, comme l'a écrit Claude Ascolovitch de France Inter, c'est l'affaire d'une poignée d'abrutis de fin de semaine qui sert de prétexte au gouvernement pour salir les Gilets jaunes. Alors, il ne faudrait pas, bien sûr, résumer le mouvement des Gilets jaunes à ça, mais à la fois, effectivement, ce n'est pas ce que vous avez fait, mais c'est effectivement emblématique. On parlait il y a un instant des attaques contre les journalistes et les médias. L'antisémitisme marche toujours main dans la main à travers l'histoire avec la contestation de tout ce qui apparaît comme étant au pouvoir ou ayant du pouvoir ou étant proche du pouvoir, étant proche de l'élite, quoi que ce mot veuille dire aujourd'hui. On ne sait plus très bien exactement. Mais effectivement, à travers l'histoire, ça a toujours été le cas. L'antisémitisme préfigure, fait toujours un peu vitrine d'une violence qui le précède et qui explose de façon bien plus large à travers une parole antisémite qui très très vite, on le sait malheureusement, se traduit par un passage à l'acte violent à quoi on a assisté ces dernières années. On n'a pas toujours été capable de nommer l'antisémitisme comme étant précurseur d'une violence plus large, mais aujourd'hui elle explose un peu tout azimut. Et pour ce qui est du mouvement et des manifestations en marge du mouvement des Gilets jaunes, effectivement, dès qu'on ouvre la boîte de la contestation du pouvoir, ce qui peut être parfois légitime, il faut être extrêmement vigilant parce qu'on active une certaine boîte de Pandore traditionnelle de l'antisémitisme, qui est celle du pouvoir, de l'argent, etc. Quelques exemples très brefs, le plus bref possible, des images de ces derniers week-ends. Est-ce qu'on peut dire que le bétail goy se rebelle? Je ne sais pas trop de quoi vous parlez, monsieur. Que cette révolution des Gilets jaunes qui provient du peuple, c'est un petit peu comme il est dit dans le Talmud, que les chiens de goy doivent être écrasés, et là ils se rebellent. FM, entends-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle? On a fait le montage le plus bref possible, mais j'ai envie de vous demander d'abord, est-ce qu'on a raison de diffuser cela? Oui, je crois qu'on a raison de le diffuser parce qu'il faut ouvrir les yeux sur certaines choses. Voilà, moi j'ai écrit, c'était un jeu de mots, sans doute pas très très bon d'ailleurs, qu'au Sacré-Cœur il y avait quand même des sacrés cons. Voilà, si c'est bon, moi j'aime bien. J'aime bien. Ouais. Je... mais je pense que malheureusement il faut ouvrir les yeux. Ce qu'on vient d'entendre par exemple sur le Talmud, c'est extraordinaire parce que c'est une rhétorique classique, par exemple de l'entourage de Dieudonné ces dernières années, d'essayer ou de Soral et d'autres, qu'il faut essayer de dénoncer un racisme qui serait inhérent dans le Talmud, tout ça, enfin, il n'y a pas d'autre mot, c'est des conneries, c'est-à-dire que ça n'apparaît pas dans les textes, mais il y a une espèce de manipulation, pour le coup de fake news qui sont arrivées très 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 tôt, où il faudrait mettre en avant, ça marche de pair avec toutes les théories du complot qu'on entend à l'heure actuelle, où tout à coup, voilà, il y a un coupable, en général toujours le même, toujours les mêmes, alors aujourd'hui on est plusieurs à partager ce rôle, c'est voilà, beaucoup. On doit développer une hyper vigilance. Voilà, ça ne veut pas est-ce dire mettre qu'il tout faut, le monde. Justement, enfin, c'est une question qui se pose à chaque incident. Est-ce qu'il faut alerter pour rester vigilant ou est-ce qu'il faut banaliser pour rester calme? Alors c'est une très bonne question. Moi je pense qu'il faut alerter, mais la question qu'on doit toujours se poser, c'est dans quelle mesure le fait d'alerter ne crée pas une psychose dont l'effet est de inhiber l'action. Parce que le propre de la peur, c'est qu'elle empêche d'agir. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on crée des modalités d'une conscience particulière, mais qui nous donne des outils qui moi me tiennent à cœur aussi comme leader religieux, qui sont des outils de résilience. C'est-à-dire comment on fait pour pas se raconter notre histoire comme une tragédie grecque et dire voilà ce à quoi on fait face, voilà quels sont nos outils et de quelle manière on peut être acteur et actif face à ce qui nous arrive. En restant calme. En réalité, les deux situations, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais les deux situations sont des mauvaises solutions. Alerter ou banaliser, de toutes les manières, c'est une mauvaise solution. Alerter, tu en fais trop. Banaliser, tu n'en fais pas assez. Et de toutes les manières,
De toutes les manières, il n'y a pas de bonne solution face à ces sujets-là. Alerter, ça ne veut pas dire forcément exagérer. Oui, alerter, mais... c'est dire que ça existe, que ça existait. Ce qui est inquiétant aussi, j'ai deux. Et c'est prendre, le risque de dire que vous réduisez le mouvement des Gilets jaunes à la question de l'antisémitisme ou à la question des journalistes ou à la question. C'est ça aussi le risque. Oui, enfin, ou à la question des étudiants, parce que ce qui est des éléments inquiétants aussi, c'est que ça semble venir parfois d'individus éduqués. On a vu des graffitis à HEC Paris ces dernières semaines, on va voir des photos, ou à l'université de Grenoble, ça a été signalé, ça a été condamné. Qu'est-ce qu'on dit à un antisémite Qu'est-ce qu'on dit à des gens qui ont un comportement antisémite? Delphine Orvilleur, c'est sans doute la question la plus difficile qui soit. D'abord, je ne sais pas si on peut dire à l'antisémite lui-même, mais je pense qu'il faut attirer l'attention de tous sur ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire de quoi c'est le symptôme exactement. Et je pense que, voilà, le plus important pour moi, c'est de réhabiliter une certaine complexité, ce dont notre société manque. C'est-à-dire quand on fait face à ces graffitis, quand on résume effectivement un mouvement à un phénomène, c'est, finalement, on est aussi dans un risque de annihiler la complexité de la situation. Voilà, moi, ça fait des années que je travaille, par exemple, dans les collèges, dans les lycées, que je vais maintenant dans les prisons, que je travaille au dialogue interreligieux judéo-musulman. La chose la plus difficile à faire, la plus grande complexité, c'est de réhabiliter de la complexité dans un temps où tout le monde a tendance à être avide d'un discours hyper simpliste. Et ça, c'est quelque chose de pas facile à faire. Donc, il ne faut pas nécessairement s'adresser directement aux antisémites, pour ce qui est de votre question, mais de motiver, je sais pas, une réponse collective, de bien comprendre, par exemple, pour ce qui est de l'antisémitisme, que c'est clairement pas le problème des Juifs, que c'est le problème de la nation, que ça préfigure quelque chose de l'ordre d'une faillite nationale, et que donc c'est à tout le monde de réagir, voilà, et pas se tourner vers une réponse juive ou de la communauté juive, mais de bien prendre conscience que quand on s'attaque aux Juifs ou quand on s'attaque aux journalistes, bien évidemment qu'on s'attaque aux piliers de notre société. Mais comment vous voulez réhabiliter la complexité ? Comment vous voulez réhabiliter la complexité au moment des réseaux sociaux ? Quand tout est résumé en 120 signes ou en 200 signes. Comment vous voulez réhabiliter la confirme que votre livre Réflexion sur la question antisémite, qui est très intéressant, il ne peut pas se résumer à des tweets de 140, 160 ou maintenant c'est un peu plus de signes. Oui. Par exemple, quand vous développez l'idée au début de votre livre que l'antisémitisme n'est pas tout à fait de la même nature, enfin, est différent des autres racismes, sans qu'il y ait forcément de concurrence victimaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous le pensez ? Oui, moi je pense que racisme et antisémitisme ne sont pas du même ordre. Souvent on les met dans un même... je ne suis pas en train de dire que l'un serait plus grave ou moins grave que l'autre, bien entendu. Mais le racisme est bien souvent affaire d'un complexe de supériorité. Quelqu'un dit que l'autre n'a pas la bonne couleur de peau, pas le bon accent, pas la bonne nationalité, qu'il est moins que moi. Alors que l'antisémitisme relève souvent d'un phénomène inverse, d'une forme de complexe d'infériorité, on l'entend bien, on reproche aux Juifs, bien souvent, d'avoir ce que je n'ai pas, d'être là où je ne suis pas, et d'avoir d'une certaine manière usurpé ma place. Et c'est comme si le Juif était le nom que l'on plaque sur ses propres échecs, sur tout ce qui dysfonctionne, sur les faillites d'un clan, d'une famille, d'un groupe, d'une nation, ou même parfois d'un individu. Tout ce qui ne fonctionne pas, tout à coup, le Juif devient le nom, de façon très simplifiée, de ce qui dysfonctionne. Voilà, de la faille ou de la faillite. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a choisi cette couverture avec une faille, parce que le Juif, bien souvent, il raconte la faille d'un groupe, la faille d'une société. Alors voilà, réhabiliter de la complexité, c'est difficile parce que ça implique d'apprendre à vivre avec les failles de nos vies. Et ça s'apprend dans la petite enfance, ça s'apprend à l'école. Tout le monde a une responsabilité, les enseignants, les parents, bien entendu, les leaders religieux. Comment est-ce qu'on vit avec les incomplétudes? Comment est-ce qu'on vit avec ce qui nous est arrivé? Et comment est-ce qu'on sort, une fois pour toutes, de cette compétition victimaire qui est en train de nous assassiner, littéralement, et ce n'est pas une métaphore, voilà, de se raconter nos vies comme étant des victimes qui demandent réparation et simplement réparation. Et comment on fait pour ne pas chercher systématiquement un bouc émissaire? Puisque c'est ce qu'on voit là, dans ce qui surgit. Oui. Il faut pour ça apprendre à mûrir, à grandir. Et ça, c'est une responsabilité collective dans laquelle on replonge de génération en génération. C'est jamais acquis. Réflexion sur la question antisémite pour apporter des réponses les plus complexes et nuancées possibles à ces questions. C'est chez Grasset, c'est signé Delphine Orvilleur. Merci. Et c'est formidable. Et j'adore la phrase que vous avez mise en exergue de Kafka. Qu'ai-je de commun avec les Juifs? C'est tout juste si j'ai quelque chose de commun avec moi-même. La phrase... C'est chez Grasset. Merci beaucoup, Delphine Orvilleur, d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek.